Salut à tous, c'est Papkik. Donc les gars, il y a un glitch qui va arriver sur les appareils aériens et à la fin, on voit que quand j'arrive, mon avion y est invisible. Donc il faut aller sur le cercle bleu pour le faire apparaître, mais il sera toujours invisible. Donc vous allez monter comme moi dans la duplication et vous allez faire flèche de droite pour aller dans l'atelier de customisation, mais vous allez rien faire. C'est juste pour faire apparaître l'original. Ensuite, quand vous allez monter dans l'original, vous allez voir que vous allez le vendre ou pas. Et ensuite, quand vous allez monter dans la duplication et que vous allez faire flèche de droite, ça peut arriver que ça fasse un flash. Donc ça, moi je ne l'avais pas vu. Donc ce qu'il faut faire, faut pas paniquer ou quoi que ce soit, vous relancez juste GTA. Et une fois que vous avez relancé GTA comme moi je l'ai fait, puisque comme vous verrez à la fin de la vidéo, à un moment je remonte dans l'avion et quand je fais flèche de droite, il y a un flash. Genre je pouvais plus y toucher. Ben, j'ai relancé GTA et là comme vous pouvez voir, là c'est la duplication, donc je me suis refait une peinture. Donc je voulais faire une vidéo, mais ou faire deux fois char, j'ai fait une fois char. Donc ça a pris une photo, donc bah, vous le voyez maintenant. Donc là c'est la duplication, donc ça a très très bien fonctionné et vous allez voir que l'original y est à côté. Donc l'original je vais le vendre, pas aujourd'hui puisque bah, je suis carrément limité. Regardez, il y a à côté, là, voilà. Donc tout à l'heure quand je suis monté dans celui-là, ben quand j'ai fait flèche de droite, il y a eu un flash et je pense que vous le verrez sur la vidéo. Donc si vous avez le même délire que moi, bah vous relancerez GTA et regardez, l'original il est là et la duplication bah elle est là-bas. Comme ça ils sont bien différenciés. Donc les gars, c'était une info pour pas que vous vous plantez dans le glitch ou vous croyez que ça ne fonctionne qu'à moitié. Donc non, 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 il fonctionne très très bien. Donc regardez, j'ai les deux Sparrow devant, j'ai les deux, bah, j'ai les deux Pyro maintenant. Waouh. Enfin, je veux bien. Demain, j'en vendrai un, je pense, ou après. Ouais, demain, je pense. Donc voilà, les gars. C'était une petite info. J'espère que, bah, que ça vous aura plu. Et en même temps, bah, je voulais vous montrer la customisation, mais désolé, c'est fait. Et il y a, par contre, il y a Zen qui m'a demandé si le pyro valait le coup. Bah, honnêtement, oui. Il est hyper maniable et moi, je le kiffe déjà. Donc, je pense que ça va être encore un de mes avions préférés. Donc les gars, sur ce, je vous laisse passer une très très bonne journée. C'était une petite info pour le glitch à venir. Donc bah, sur ce, je vous laisse. Et glitchez bien. Et n'oubliez pas que demain, logiquement, tout sera patché. Donc lâchez rien. Sur ce, je vous laisse et à bientôt. Ciao.